Bonjour, bonsoir. Donc, je vais faire une nouvelle vidéo à propos du défaut d'ABS. Donc là, en l'occurrence, sur Mercedes. Donc ça, c'est une classe E de 2006. J'avais fait une vidéo déjà qui avait pas mal cartonné à l'heure où je vous parle. Elle a fait plus de 70 000 vues. Donc le problème venait de... Lorsqu'en fait, vous avez le voyant ABS qui s'allume au tableau de bord. Donc vous avez ESP indisponible, etc. Et vous avez aussi l'ABS qui ne fonctionne plus. Donc j'avais expliqué que dans 100% des cas, ça venait du boîtier noir là à nettoyer, donc à dévisser, nettoyer. Donc par contre, moi là, j'ai découvert un nouveau problème qui peut être en être à l'origine. Donc c'est un problème. Donc je vous explique cette voiture là, je l'ai achetée il y a 2 ans. Donc c'est une classe E de 2006 comme je disais. Donc la phase 2, les toutes premières. Donc moteur C220 CDI, 170 chevaux. Et en fait, dès que je l'ai acheté, j'avais pas remarqué. Hein, ça me l'a fait 2-3 jours plus tard. J'avais le voyant ABS qui s'allumait. Donc le voyant ABS, ESP indisponible. Donc je coupais le contact, je rallumais et ça s'enlevait. Donc je me suis pas cassé la tête, j'ai roulé comme ça. Ça arrivait de temps en temps. C'était vraiment de temps en temps. Donc j'avais acheté la voiture là, je crois que c'était au mois de mars. Donc ça me le faisait en moyenne, je sais pas moi, peut-être 3-4 fois par semaine. Parce que j'éteignais la voiture, je la rallumais, donc je me cassais pas la tête à vouloir refaire le truc. Ensuite, j'ai changé les plaquettes de frein donc quelques mois plus tard à l'avant. Le jour où j'ai changé les plaquettes de frein à l'avant, ben, le problème il a totalement disparu. Il est plus revenu. Mais même pas une seule fois. Donc j'ai roulé avec comme ça, je sais pas, plus de 6 mois hein, avant de rechanger les plaquettes à l'avant. Donc ce qui s'est passé, donc les plaquettes elles ont été usées à nouveau. J'ai dû donc les rechanger. Et là, la fois là, quand je les ai rechangés, eh ben le problème il est revenu, hein, le problème ABS. Donc je me suis dit, il y a un lien avec les plaquettes de frein. Sans savoir plus, je me suis dit, c'est quand même bizarre que lorsque je change les plaquettes de frein, eh bien le problème revienne. Je suis resté comme ça, donc, encore pendant 6 mois, enfin peut-être pas 6 mois, ouais, peut-être un peu moins, jusqu'à ce qu'on arrive en été. Alors, avant qu'on arrive en été, j'avais remarqué à chaque fois que je sortais ma voiture de l'allée du garage en manœuvrant le volant, eh ben, ça me le faisait systématiquement. Donc, je manœuvrais, donc j'avais le pied sur le frein, donc comme c'est une boîte automatique, je laisse agir le rampage de la boîte. Donc, la voiture avance ou recule toute seule jusqu'à 10 km/h, 10-12 km/h. Et en même temps, on manœuvre, donc vous tournez le volant. Et là, il s'allumait le. Donc, j'en suis venu à un moment carrément où j'évitais de toucher le frein, et que je la laissais partir toute seule. Bref, ça me faisait ça les matins. Donc, bien souvent, je roulais, ça me faisait ça en sortant la voiture d'aller du garage. Donc, je coupais le moteur et je redémarrais, et ça partait. Par contre, donc on est arrivé. Donc là, on est au mois de juillet. Donc, mois de mai dernier, mois de mai, mois de juin. Oh, attends, j'ai mon chat là qui est en train de. Donc, mois de mai, mois de juin dernier, là je suis en Algérie, il fait extrêmement chaud. Donc, comme il fait extrêmement chaud, et ben ça m'a fait ça pendant qu'il faisait vachement chaud. Je me suis dit, il y a un lien avec la chaleur, sans savoir plus. Jusqu'à arriver à un moment où il a commencé à avoir les petites canicules. Là, sans manœuvrer ni quoi que ce soit, ça s'allumait. Une fois, j'ai même roulé, j'ai pris une toute petite bosse, un petit nid de poule, mais de 3 fois rien, sur la roue avant droite, et ça s'allumait. Donc, lorsque je branchais la valise, à chaque fois, ça mettait capteur avant droit, mais sans vraiment trouver le problème. Donc là, je parle beaucoup, parce que c'est vraiment un problème qui peut vraiment causer de gros soucis, parce qu'avec un souci comme ça, vous pouvez pas passer le contrôle technique. Si vous n'avez pas vraiment un mécanicien chevronné, hein, même un mécanicien de chez Mercedes directement, il peut ne pas connaître ce souci. Donc on peut en être amené à changer une quantité de pièces pour rien du tout.
Alors que le problème, il est vraiment, non, alors franchement, le problème, il est vraiment tout con, tout con, tout con. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi le souci. Donc, en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'était le fait que, qu'au moment du changement de plaquette, le problème soit disparaissait, soit revenait. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en général, quand on change les plaquettes. Alors, le problème là, ça peut être valable sur toutes les marques de voitures. Là, c'est pas propre à Mercedes. Ça peut être sur toutes les marques de voitures, Renault, etc. Et donc, en fait, je vous expliquais le souci. C'est un souci que j'ai deviné. Donc là, maintenant, je sais que que j'ai raison, que c'est de là que ça vient. Donc, en fait, les mécaniciens, alors surtout les pseudo-mécaniciens qui travaillent dans les centres auto, feu vert, Noroto, etc. Donc déjà, vous pouvez pas voir ce qu'ils font. Ils se cassent pas la tête. Lorsqu'ils remplacent une plaquette de frein, ils font tomber l'étrier de frein. Donc un étrier de frein, il faut savoir que c'est lourd, hein, ça peut peser 1 ou 2 kilos. Et lorsque l'étrier de frein, il change les plaquettes de frein, vous avez l'étrier de frein qui pend. Donc ce qui le tient, c'est le flexible et ça force également sur le câble de l'ABS. Donc en fait, ce qui s'est passé la première fois lorsque j'avais le souci que c'était réglé, la personne qui avait changé les plaquettes de frein, ben, elle a dû soulager le câble du capteur ABS et ça a dû jouer sur la cosse. Bon, comme c'est une vieille voiture, vous savez que ça s'oxyde, les cosses, le plastique, il dilate et tout ça. C'est pour ça qu'il avait disparu le problème. Par contre, quand j'ai rechangé les plaquettes de frein, ce qui s'est passé, la personne qui m'a échangé, elle a laissé pendre l'étrier de frein et ça a tiré donc sur la cosse. Et en fait, le problème, il vient de là, en fait. C'est que lorsqu'ils remplacent les plaquettes de frein, certaines personnes qui sont pas très précautionneuses, au lieu de faire en sorte de caler l'étrier de frein, ce qui est pas toujours évident, elles le laissent pendre. On s'en fiche complètement. Et ça tire sur la cosse. Et la cosse, là, en fait, elle se trouve, regardez, vous avez le passage de roue. Donc moi, ce que j'ai fait, lorsque ça a trotté dans ma tête, cette éventualité, faut savoir qu'avant que je me lance là-dedans, le voyant d'ABS, il s'allumait tous les jours. J'étais constamment, il y avait des fois, même je rentrais en ville, ça s'allumait, je me cassais même plus la tête à couper et réallumer le moteur. Donc ce que j'ai fait, j'ai démonté la roue, j'ai levé, j'ai démonté le cache. J'ai été donc sur la cosse, parce qu'en fait la cosse, elle se trouve derrière le cache. Vous êtes obligé d'enlever le pare-boue en fait, qui est ici. C'est pas très compliqué, il y a quelques vis en plastique à enlever, des boulons en plastique. De 10 de mémoire. Et donc j'ai accédé, j'ai déclipsé la cosse, j'ai injecté dedans du produit pour nettoyage de circuit électronique. J'en ai mis, psh, 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 voilà, comme ça. J'ai rebranché, j'ai bien branché la cosse. J'ai remis le pare-boue, etc. Ben voilà, là maintenant, j'ai tardé un peu avant de faire la vidéo. Et donc là, ça fait quoi? Ça fait 3 semaines, hein, facile. Ouais, ça fait 3 bonnes semaines. J'ai roulé, j'ai dû faire 3000 km et tout. Il s'est pu rallumer une seule fois le voyant d'ABS. Donc le problème vient de là. Donc moi, ce que je pense exactement, si on veut vraiment creuser pourquoi, c'est qu'avec le temps, en fait, les plastiques, ça dilate. Les cosses en plastique, elles se corrodent un peu. Où elles deviennent sèches et en fait le fait que ça reste longtemps connecté, donc les deux cosses, il suffit qu'un jour vous changez la plaquette, vous voyez, ça tire un petit peu comme ça et le contact il est plus ou moins rompu. Et j'en reviens aussi à lorsque je manœuvrais, pourquoi ça s'allumait, parce qu'en fait quand les roues elles bougent, il y a l'étrier qui bouge avec et ça agit aussi sur le fil. Donc ce que vous faites lorsque vous avez un problème d'ABS, donc, il y en a, ils vont vous dire qu'il faut remplacer le capteur d'ABS. Ben, c'est vrai que si maintenant vous remplacez le capteur d'ABS, c'est sûr que vous allez agir sur la cosse. Vous allez mettre le nouveau capteur. Le problème va disparaître. Ce que vous faites en premier, c'est tout con. Vous démontez la roue. Donc là où, si vous mettez la valise, par exemple, ça vous dit avant gauche, arrière droite, etc. Vous nettoyez le capteur au produit. Vous le nettoyez bien, vous rebranchez bien. Ou par acquis de conscience, vous le faites sur les 4 roues. Vous commencez par ça, que ce soit pour n'importe quelle marque. Et il y a des probabilités que le souci il disparaisse. Voilà, j'espère vous avoir aidé. Bonne soirée, bonne journée.